Ça va bien? Ça va, Rachel? Bonjour à tous. Alors, ça va, Rachel? Ça va, Rachel? Bonsoir, ça va bien? Salut, samedi. Alors, vous venez tous à la messe ce soir à Watsonheim à 19h30, c'est ça? Oui. Hein? Eh ben, c'est bien. Bonjour. Salut, tu vas bien? Ça va. Je suis le frère Nicolas Tixier. Ça va, ça va. J'ai 38 ans. Mademoiselle. Je suis entré dans l'ordre dominicain en 2002, donc ça va faire 15 ans cette année. Je suis actuellement au couvent de Strasbourg, où je suis le maître des novices. Ça veut dire que je m'occupe de la formation des jeunes frères pendant leur première année de découverte de la vie dominicaine. Et je suis également aumônier des gens du voyage à Strasbourg. J'ai été aumônier des gens du voyage du diocèse de Lyon pendant 5 ans. Ça a été une expérience très belle. Ça va ? C'était l'époque où j'étais tout jeune prêtre, ce qui fait que j'ai un peu grandi comme prêtre avec eux. Ce sont les familles de voyageurs de Lyon qui m'ont un peu appris mon métier de prêtre. Bonjour ! Ça va bien ? Moi, ce que j'ai appris chez les gens du voyage, c'est qu'il y a du grand bonheur à avoir la foi. Il y a un grand bonheur à croire en Dieu. Il y a un grand bonheur à orienter toute sa vie vers lui et à se mettre en route pour lui. Allez, à tout à l'heure. Et c'est exactement ce qu'on vit à Lourdes, au pèlerinage du Rosaire. On vient, on part de loin, on traverse la France parfois pendant de longues heures et on vient tous ensemble se mettre à l'écoute du Seigneur, à l'invitation de la Vierge Marie qui nous invite à nous mettre à l'écoute de son Fils. Et ça, je l'ai découvert avec les gens du voyage fortement. Marie d'aille, au dévain. Le thème du pèlerinage, c'est les merveilles de Dieu. Dans mes prédications, il y aura des petites références aux gens du voyage parce qu'ils marquent ma vie et ils marquent ma relation avec le Seigneur. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Parce que pour moi, ils sont des merveilleux enseignants de ces merveilles que le Seigneur fait en nous. Qu'est-ce que ça veut dire alors ce chant? Ça veut dire que Marie est notre mère, qu'elle nous prend comme ses enfants, qu'on est pareil que son fils quoi. C'est un très beau chant. En fait, on fait confiance à la Vierge Marie dans tous les événements de notre vie. Bon après-midi à vous, à bientôt. Hein? Donc peut-être à ce soir pour la messe. D'accord. Allez.